Alors, lors d'un poste sur le château, je vous avais demandé de m'aider à trouver des questions pour les poser à Mayoen sur le thème de Tonio et sur la moto. T'as quel âge? 5 ans, c'est balèze, 5 ans. Alors, du coup, toutes les à peu près 10 questions, je vais te donner une récompense, d'accord? Pour te motiver. Tu veux voir la récompense? T'es sûr de toi? Oui! Et oui, je savais ce que c'était. T'es prête? Oui. Première question de Marion, d'accord? Et parce que moi, je connais pas Marion. Ah oui, parce que oui, tu connais pas Marion. T'es sûr que tu connais pas Marion? Je l'ai jamais vu. Alors, première question de Marion, à quoi sert une synchronisation moto? Oui, En vas-y, à fait, toi. on fait rouler, je sais plus ce que je veux dire. Sais plus. Galon. Par contre, on voit tes couilles. Hein? On voit tes couilles. Non. Non. C'est juste mon collant. C'est vrai, ça, les roues, ils peuvent pas draguer. Si. Si, ils peuvent quand même draguer les roues. Non. Ah, mais non. Ça saurait quand même si les roues pouvaient draguer. Je m'ai trompé. Mais oui, putain, ils peuvent pas draguer quand même. Pour toi, Tonio, il est blond ou il est roux? Il est roux, Tonio? Non. Si. Tonio, t'es sûr qu'il est roux? Si. Et pourquoi Tonio, il est roux? Parce que je sais bien. Ah non, pourquoi? C'est pour ça que je te pose la question. Parce que Une question. Une question de Mélanie, Mélanie Leluherne. Quelle est la différence entre une moto et une voiture? c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Comment tu reconnais que ça c'est une moto, ça c'est une voiture? Parce que une voiture, ça a quatre roues et une moto, ça a deux roues. Et tu préfères quoi toi, les motos ou les voitures? Les voitures. Tu préfères les voitures toi? Non, la honte. Si. Pourquoi tu préfères les voitures? Parce que papa, il veut que je vais aller sur un moto ou un quoi. Et du coup, vu qu'il préfère que ça, toi tu préfères les voitures? Bah oui. Mais Parce pourquoi, que. pourquoi tu préfères pas les motos? Non. Hein? J'aime pas les motos. Pourquoi? Je suis pas un garçon, moi. Mais alors, il y a plein de filles qui font de la moto, hein? Moi, j'en fais jamais. Ma mère, elle veut pas. Ma mère, elle veut pas. Ah. Tenu, il se sépare avec sa moto. Jean, Si. Jean, il saute à quelle hauteur? Je sais pas. Comment? Grand comment il saute? Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel? Ouais, je suis pas sûr à ça. Papa, il avait pris un quad quand j'étais bébé et j'étais allée sur son dos et j'ai tombé dans le champ avec lui. Bah, c'était drôle. Non, pas drôle. C'était pas drôle. Mais Tu oui. rigoles ou quoi? C'était hyper drôle. Elle était fâchée. J'ai que 5 ans. Allez. Je t'en donnerai un si tu veux. Bah, disons que en fait, tout est à nous, hein. Il n'y en a aucun à toi. Alors une question de Cassandra. Pourquoi une roue, ça roule? Parce que y a un volant et ça roule les voitures parce que ça a des roues. Paraît Et clair. un volant. Oui. Mais c'est pour ça que ça roule. Alors, une question de Mélanie. Quel bruit fait une moto? Imite-moi le bruit de la moto. C'est sûr. Fais comme si tu étais sur une moto. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Là, il y a Tonio là. Là, Tonio, il nous regarde là. Montre-lui comment fait sa moto. Voilà. Vas-y, passe à 3, mon Dieu! Plus vite! Je voudrais savoir si toi, t'as déjà passé une soirée avec Tonio. Jamais. Pourquoi t'as jamais passé de soirée avec lui? Pourquoi t'as jamais passé de soirée avec lui? Pourquoi t'as jamais passé de soirée avec lui? De soirée. Parce que je suis avec mes parents. Ah. Quel conseil tu pourrais lui donner
Antonio, pour qu'il passe une excellente soirée. Tu serais à sa place. Tu ferais quoi pour passer une excellente soirée? Faut qu'il mette de la musique et pour qu'il danse. Faut qu'il danse, Tonio. Compte sur toi. C'est tout? Parce que les rocs, ça de la musique et les gens, ils dansent. Ça devrait le faire, du coup. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Il y a une question d'Élise. Est-ce que tu voudrais que Tonio soit ton amoureux? Non. Pourquoi? Parce que... Bah, Tonio, beau gosse. J'ai pas envie. Je suis trop petite. Ah, c'est pour ça. Bah oui, j'ai pas fait gaffe. Moi. J'ai que 5 ans. Mmh. D'accord. Toujours une question d'Élise. À quoi pense Tonio quand il grimpe sur son tas de ferraille? Il pourrait se faire mal. Tu penses que Tonio, il pense à ça? Imagine-toi, t'es à la place de Tonio, t'es sur sa moto, et à quoi il pense quand il monte sur son tas de ferraille? Qu'il oublie quelque chose. Genre quoi? Il aurait... Qu'est-ce qu'il pourrait oublier? Ses clés. Oh, les clés de la moto? Oui. Pour mettre l'essence. Eh, une autre récompense? Si tu veux. D'accord. Ah, si tu veux. Merci. Alors, une question de Caro. En forme, celle-là, hein. Quel regard Tonio doit avoir pour qu'une fille tombe amoureuse? Donne-nous ton conseil séduction. Quand ils disent bonjour, ouais, et qu'ils se voient plusieurs jours, ouais, et ben après, ils sont amoureux. Ah oui? Avec quelqu'un d'autre. Ah oui, avec quelqu'un d'autre que qui? Avec un Jean. Avec un Jean? Mmh. Comment tu fais toi pour draguer les garçons? À l'école? Ouais. Moi je chante. Tu chantes? Donc Tonio, s'il chante, peut-être que ça pourrait l'aider à séduire les filles. Ah non? Non. Pourquoi lui ça marcherait pas? Parce que il est grand. Ah, et quand on est grand, ça marche pas quand on chante? Non. Et pourquoi toi ça marche? Parce que les autres, des fois, ils ont mon âge. Des fois? Sauf une fois au chalet. Hein? Sauf une fois au chalet. Je sais pas ce que ça veut dire. Et si toi, Maïwenn, si toi, t'avais des pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu offrirais à Tonio? Des pouvoirs. Tu lui offrirais des pouvoirs si tu avais des pouvoirs magiques? Bah oui. Qu'est-ce que tu lui offrirais comme pouvoir à Tonio? Des glaçons dans les mains. Ça servirait à quoi d'avoir des glaçons dans les mains? Pour le Ricard? Hein? Pour le Ricard? Ah oui. Et pourquoi d'autre? Pour... Si les gens ils sont... S'ils sont malades, et ben on les met comme un glaçon. Ah oui. Comme ça, ça les guérit. Ça guérit les gens des ongles glaçons. Non. Bon alors, tu racontes des conneries, toi. Une question de Anaëlle. Est-ce que tu penses... Ah, une question d'Anaëlle. D'ailleurs, c'est son anniversaire aussi, Anaëlle. Alors, aujourd'hui? Ouais. Souhaite-lui bon anniversaire à Anaëlle. Il y a aussi ma mère. Ah oui? Ah oui. Regarde la caméra et dis bon anniversaire à Anaëlle. Moi aussi, j'en ai une qui s'appelle Anaëlle. Tu veux pas faire ce que j'ai dit? Regarde la caméra. Regarde la caméra. Oui, mais Anaëlle, celle qui pose la question, bah c'est son anniversaire aussi ce soir. Tu pourrais lui dire bon anniversaire. Moi, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je connais pas les gens. Ah. Les autres gens. Bon, j'aurais tout tenté. Est-ce que toi, une question d'Emeric, eh ben, est-ce que toi tu serais plus forte que Tonio à la moto? Non. Ah non? Pourquoi? Parce que je suis pas beaucoup musclé. Ah oui, c'est les muscles qui font ça. Ah mais oui, c'est vrai que Tonio il est bien musclé aussi. Pour ça, il faudrait que... Peut-être que... Ouais. Une question de Caro. Est-ce que tu penses que Tonio est le meilleur motard au monde? Je sais.
Tu connais pas les autres motards, c'est pour ça. Je connais pas des moteurs. Quoi? Et est-ce que tu penses, une question d'Anel, est-ce que tu penses que Tonio est un fou en moto? Oh non. Non. Oh non. Non. Oh non, il est normal. Bah oui. Bah oui. Et tu penses qu'il pourrait jouer dans un film de moto, lui? Genre cascadeur Oui. Ah ouais? Oh, la classe. Parce que il pourra avoir une chemise de nuit. Ah oui, c'est grâce à ça. Ouais, c'est bien ça. C'est valable. Et du coup, tu connais Tonio. Tu l'as déjà vu, Tonio. Tu le connais. Et est-ce que tu peux regarder la caméra et lui dire bon anniversaire, Tonio? Ah, c'est pas son anniversaire aujourd'hui. Si, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et ce soir, on va à son anniversaire. Monde. Ah, si, il est né le même jour. Non. Moi. Si. Non. Ah, si. Non. Je l'ai appelé tout à l'heure, c'est son anniversaire. Alors, on regarde la caméra tous les deux et on lui dit bon anniversaire. Allez, mais ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui. Sinon, t'as pas une récompense. Mais moi, j'avais pas envie de dire à tout le monde. Mais c'est l'anniversaire de Tonio. Et ce soir, on va à son anniversaire, on va faire la fête. Et après, on va voir la course, c'est bien. Après, on va voir la course. Et là, on y va, c'est terminé. Et c'est la dernière chose que tu as à dire, et après, on va à la course de vélo. Il y a des choses qui vont y avoir à l'arrivée bientôt. Joyeux anniversaire, vélo. Tu te fais mieux que ça. Oh. Mais regarde, hey, tu fais comme moi, Ren. Hey, bon anniversaire, Tonio. Tu fais des grimaces et tout. Si, fais la con. Bah vraiment, bah, tant pis, bah il n'y a plus de récompense. Hein. Mais arrête. Ça se peut pas en même temps. Bah, tu paries? Mais non. Tiens, ça vient de marquer. Anniversaire de Tonio aujourd'hui. Fais voir, alors. Voilà. Anniversaire de Tonio aujourd'hui. J'arrive pas à lire. Je sais pas lire. Faut être nul quand même. Je sais pas. Bon, allez, on dit bon anniversaire Tonio et on va aller voir la course. Allez, vas-y, fais les crimes. Bon anniversaire Tonio. Ah, quand même. Top là. Attends, on fait plus fort.